Mais que quoi? Mais sur Fenrir, c'est malgré. Ouais, mais même en Icarène, je joue plus haut. Hein. Hop! Mais. Casse-couille! Ça, la brineuse fou là, folle là! Je suis Spider-Man, fils de. Effectivement. C'est dangereux. Vas-y, passe, je t'ai ouvert la... Oh non, dommage. Je t'ai ouvert la boîte de Pandore. Oh, t'es bien lourd. Oh. C'est quoi ça? T'attendais quoi, là? Non, mais wesh. Même lui, il est choqué. J'ai traversé la moitié de la map. Et je me tourne. Non. Oh Mang, il a pas perdu son talent pour les bridges. Hein. Bislet. Oui. Non. Oui. Du coup, c'est quand que tu joues à Dead by Daylight, Under? Oh je bouge pas. Non, je suis tombé. Vas-y, retiens-les. Non, c'était pas Joris. Comment s'appelait l'autre supermodo? C'était pas Senox. On ne backera pas. Non. Oh! À l'aide! Mais j'ai lag! Enfin, en tout cas, c'est pas moi. Mais... Ah, c'est bon. Ah, c'est bête, t'as lag, hein. Bon, on a été fait, on vous a pas tué. Hein. Ouais, mon cul, ouais. Elle va te faire enculer, sérieusement. Ah! Il est l'heure d'aller se faire enculer. J'ai 1 million de points. Oh là! Hein? Wesh. Bon, ça dépasse de travers. T'arrives, tu fais. Non, j'ai flop. J'ai flop encore une fois. J'ai. Oh oui! Oh non, la TNT! J'ai fait du caca. Faut tenter là. J'avais craché en plus, hein. J'avais craché. Saute, je t'empoisonne. Hein. Saute. Ose! Sparta! Non! Oh non, putain, on va l'appeler l'homme pioche. J'ai eu tout le pont, j'ai plus de pioche maintenant. Merde, j'arrive pas à manger une gaffe. Pour terminer la vidéo, je vous laisse avec la vie d'Under Arcana. Sur ce, peace. Alors, qu'est-ce que j'en pense de Funcraft? Bah, personnellement, je préfère d'abord raconter mon histoire par rapport au serveur. Tout d'abord, j'ai rejoint Funcraft pour deux grosses raisons. À cette époque-là, en rupture amoureuse, je décide de migrer sur le petit serveur où était mon ex à un autre serveur. Sauf que je ne savais pas trop lequel choisir. Je tape serveur mini-jeu 1.8, 1.9, et puis Funcraft... était là, en première position. Je voyais uniquement Funcraft, quelques fois EPQ, mais ça n'allait pas plus loin. J'étais sur
enfin je voyais plus sur Funcraft. Et donc du coup j'y vais et puis en vrai ça, Funcraft il a quand même quelque chose si vous voulez qui était incroyable. Quand tu rentres sur le serveur tu fais waouh. Bordel, c'est incroyable. Et en plus comme j'avais une grosse phobie sociale, je me suis dit bah tiens ça va être un bon entraînement de discuter avec la communauté. Voilà, c'est juste mes deux raisons, dont une claquée au sol, mais en soit. Donc je décide de rejoindre et comme j'ai dit, ce qui me saute aux yeux, c'est le serveur, c'est l'ambiance, c'est actif, il y a du monde au lobby, tu as plein, je vois qu'il y a plein de mini-jeux, divers et variés d'ailleurs. Par exemple, tu veux tryhard Battle Rush et Skywars en guise d'exemple, et si tu veux plutôt jouer sur du chill, bah tu as évidemment du Free Cube qui a bien tenu d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, avec le temps, j'ai pu faire un avis sur ce serveur. En point positif, quand c'était à son prime, Funcraft faisait 15 000 joueurs simultanément et c'était incroyable à cette époque. Il y avait de l'animation, il y avait des événements, il y avait des gros teams tels que Dera versus PX évidemment, et que ça a été un des piliers de Funcraft. Et il y avait des dramas, ça je mets aussi dans le côté positif parce qu'au moins ça faisait un peu l'actualité du serveur si vous voulez. C'est con, mais au moins avec du recul maintenant, c'est comment dire, en vrai c'est pas si négatif parce que au moins les gens ils étaient connectés, ils parlaient que de ça, etc. Mais au moins le serveur il vivait, il y avait un truc, tu vois, dans les lobbies, etc. Mais maintenant parlons justement des points du jeu. Les mini-jeux sont très bien aussi, je mettrai en point positif aussi, mais le problème c'est que ça lasse un peu vite, une fois que t'as fait le tour quoi. Et justement en parlant de ça, je mets aussi dans le point négatif, comme j'ai dit, parce que ça manque de mise à jour ces trucs là, mais justement on va en revenir. Le serve n'est absolument pas à jour, voire obsolète, les admins ont étaient absents et le sont toujours, même pour le staff, hein, le staff ils le disent clairement, même les admins ils sont absolument absents pour eux. Manque cruel d'attractivité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... ils font pas de la pub, ils font pas d'événements, etc. Ils font rien pour garder les joueurs. Ça manque cruellement de mise à jour, comme le Free Cube qui est resté en bêta toute sa vie, le pauvre, qui était censé être amélioré au fur et à mesure du temps, puis finalement ça n'a jamais été fait. Pourtant, c'est un des plus gros mini-jeux entre guillemets qui est resté en vie. Le PVP box, comme promis, c'est ciao. Et le logiciel, le AZ Launcher, qu'ils ont eu déjà une première version il y a longtemps et que finalement ça a été abandonné pour en faire un nouveau un peu plus propre, lui aussi. Il est complètement à la ramasse, hein. Il manque réellement de mise à jour, voire un truc en plus. Par exemple, tous ceux qui ont le AZ Launcher, ils auraient dû les admins auraient dû s'inspirer du PX Mod, par exemple, où quand tu mettais une cape ou quand tu mettais des ailes, tout le monde voyait. Là, on voyait rien. T'as même pas de cosmétiques. Tu n'as pas, enfin, t'as des cosmétiques, mais personne ne voit. Et c'est nul, en fait. C'est totalement nul. Et en parlant de ça. D'ailleurs, depuis la hype de Fortnite, Funcraft n'a pas pu se relever et n'a pas pu aussi garder les joueurs. Les gens, ils sont tous partis voir leur youtubeur préféré parce que justement, Funcraft, il s'en lassait. Ça faisait déjà un petit moment que ça commençait à se faire sortir et les admins ne faisaient rien. Et donc du coup, voilà, sans plus, hein, dès qu'il y avait la hype de Fortnite, ils sont tous partis. Voilà. Alors si je dois donner une note quand même à Funcraft, ça serait plutôt un 12 sur 20, c'est bien, mais sans plus. Funcraft attire plus du tout, et c'est bien dommage, car avec un peu de bonne volonté, de communication, de présence des réseaux sociaux, et je pense que Funcraft peut quand même s'en sortir un peu mieux.